Sur une instru, j'baisse tous tes gars, bang bang et j'envoie. Tu fais la rue, mais on te connaît pas, bang bang et j'envoie. Tu veux le contrôler toi, c'est l'enduit. Qu'est-ce qui se passe avec Zola? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en froid. Incroyable. Même moi, je crois que je vole. Je connais pas Zola, moi, ça sert à me parler de Zola. Regarde, la vitesse. Ouais, Koba, je voulais savoir, c'est quoi l'embrouille avec Zola là? Tu veux le contrôler toi, c'est l'enduit? Bon, les pieds, comment ils font vite? Y'a rien, je le connais pas, moi. Regarde. C'est pas Zola? Je connais pas Zola. Fico pipip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. L'équipe, c'est parti pour la première vidéo actu du jeudi après-midi. Pour cette vidéo, j'ai deux petites actus, une sur Landy et une sur Kobalade. Je t'explique, hier on a tourné une vidéo par rapport à Landy qui s'est fait arrêter par la police. Enfin, il s'est pas fait arrêter puisqu'il a esquivé justement l'arrestation. Le truc, c'est que dans la vidéo d'hier, je vous ai passé qu'un seul passage justement de ce qui s'était passé. Là, l'équipe, on vient de me renvoyer justement deux vidéos de deux personnes différentes qui étaient sur les lieux. Voilà, et vu qu'on a parlé de Landy hier, je me devais de vous passer ces deux passages là. Il y a pas de masque. Pour un masque, tu veux contrôler parce que c'est Landy? Tu filmes pas, toi. Tu veux contrôler parce que c'est Landy? Vas-y, restez mort. Tu veux contrôler parce que c'est Landy? Tu veux contrôler parce que c'est Landy? Tu fais quoi là? Faites quoi là? Oh là là. Moi. Ah là là, et la pointe qu'il a fait, franchement, je m'y attendais pas. Il y a des personnes sur Twitter qui l'ont comparé avec une vidéo de Brudux et ça m'a flingué, j'étais obligé de le passer. Incroyable. Même moi, je crois que je vole. Regarde, la vitesse. Subhanallah, la puissance. Regarde les pieds, comment ils vont vite. Regarde. Ah là là, donc voilà l'équipe. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Est-ce que c'est une mise en scène pour un clip ou alors la vidéo, elle est réelle? Non, c'est un peu con ce que je dis. Si la vidéo, elle serait pas réelle, elle n'existerait pas, il n'y aurait pas de vidéo. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est une mise en scène ou alors c'est un truc vrai qui s'est passé? Ouais, je te mens pas, c'est le matin, je galère à parler. Après, que ce soit le matin ou l'après-midi, je galère toujours à parler. Ah l'équipe, et pour la deuxième actualité, on va parler de Kobalade et Zola. Junisco, il a insulté ton petit ref, t'en penses quoi? Wouah, ça c'est des trucs de petits, ça, voilà, carrément, ouais. Demande ça à mon petit frère. Jusqu'à présent, il n'y a aucun des deux qui a confirmé qu'il y avait un clash entre les deux. Mis à part que Kobalade, il envoie quelques pics à Zola par-ci par-là. Et là, l'équipe, hier, Kobalade, il est en direct sur Skyrock. Et en fait, j'ai un abonné qui était à l'affût et qui a enregistré justement le Skyrock de Kobalade. Au bout d'un moment, il y a un abonné à Skyrock et un abonné à Kobalade qui a téléphoné pour poser une question à Kobalade. Et il lui a demandé un truc par rapport à Zola. Et la réponse de Kobalade, elle était simple. Il a dit carrément qu'il connaissait pas Zola. Qu'est-ce que tu veux dire à Koba, Julien? J'aimerais savoir ce qui se passe avec Zola parce que j'ai l'impression que vous êtes en froid ou. Je sais pas trop ce qui se passe. Ah, je connais pas Zola, moi. Ça sert à me parler de Zola, gros. Donc là, si je comprends bien, il vient de confirmer qu'il y a bien une tension entre lui et Zola. Car Kobalade qui connaît pas Zola, c'est impossible. Donc là, ça prouve bien qu'il y a bien une tension entre lui et Zola. Enfin, du côté de Kobalade déjà. Ouais, Koba, je voulais savoir c'est quoi l'embrouille avec Zola là, tout ça là. Y'a rien, je le connais pas, moi. Pas c'est qui. Et Zola, mis à part quelques petites phrases qui laissent penser qu'ils sont destinés à Kobalade, il a jamais vraiment cité Kobalade, t'as capté? Tu connais pas Zola? Je connais pas Zola. Non mais Julien, t'as bien compris que voilà, il fallait peut-être pas en parler et qu'il y a d'autres choses dans la vie. Et la musique de Koba, la musique de Zola, chacun son truc et continuons. On va pas lancer quoi que ce soit ici. On t'écoute, vas-y Julien. Ensuite, l'équipe, il y a plusieurs vidéos qui a fuité entre Freeze Corleone et Kaaris. Ah ouais, on sait déjà tous, il y a un clip qui est prévu entre les deux. Et ben là, le clip, il vient d'être tourné. Ah là là, et je vois pas le feat entre Kaaris et Freeze Corleone, j'ai vraiment hâte que ça sorte. Ensuite, l'équipe, pour terminer cette vidéo, on va parler de Maître Gims qui a lâché une petite vidéo en réponse à Booba. En gros, c'est une mini-réponse par rapport à tous les pics que Booba il a pu faire par rapport au stream. Streaming, malheureusement, le streaming à lui seul ne peut pas faire de miracle. Là, je vais vous faire comprendre en image certaines choses. Regarde, vite. Là, c'est mes ventes, mais sans le physique. Alors là, c'est moi. Là, c'est moi en pleine forme. Streaming, télé, radio, showcase, concert. Droit voisin. Ouh, ouais. Ah là là, hey, c'est vraiment un gamin sur le coup, Maître Gims. Il se met au même niveau que Booba dans les classes.
Voilà l'équipe, c'est vraiment une petite vidéo actualité du jeudi après-midi pour vous faire patienter la journée. D'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutenir les Français et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Surtout sur cette affaire de Kobalade et Zola. Sinon, j'arrête de te casser les couilles, il y a un rappeur qui est privé en fin de vidéo, puis je te dis à ce soir pour une belle croustillante, une belle vidéo et une nouvelle exclu. Et je te souhaite une bonne journée. Comme ça, c'est fait, c'est dit, j'avais envie de le dire. C'est le gang. Allez, je te parle d'un truc. Merci, je flop. J'aurais fait bouger mes potes et je charge une meuf dans une loque. Les keufs derrière, je crie tous les stops. Ça fait bang, je pense pas que tu me connais. J'viens du 5-7 des coins un peu isolés. Moi, c'est l'RK qui se fait toujours refouler. Tête de rub, même de loin, je suis cramé. Bang, et je me calme. C'est vrai que je suis fou, mais je touche pas la cam. J'ai pas de sous, donc doucement, madame. A qu'une seule meuf, je donnerai ma femme. Du truc. On est qu'à dans la cova et mon poteau faut changer de disque. Rappeleux comme végétal, je vais prendre ta bille, je vais te montrer les actifs. On va enfumer toute ta ville. En général, je me fais petit, c'est pour enculer les tarifs. Vis gros, vite ta vie, un jour ou l'autre, elle va partir. Un petit coup de képri et là, je ressens que c'est parti. La mumu qui te colle dans tes coups, t'as plus que 1000. Elle fait la timide sur son bouche, je mets des gifs. Calibré dans la cova, je te meurs, puis sois pas triste. On n'a pas les mêmes idées, pas les mêmes rivalités. Y'a pas de faux cul, y'a que des vrais. Ben moi, au moins, je t'ai pas lassé. C'est mon talent que je vais viser, je sais que jamais je vais renoncer. Allez, je te parle d'un truc. Du truc.